La grand-mère ici voulait qu'on m'appelle Rock. Parce qu'ici, dans les familles, le fils aîné, c'est Rock. Bon. Et ma mère voulait pas, elle m'appelait Georges. Moi, je me suis posé les questions plus tard, mais j'ai compris. Après, hein. C'est qu'à l'époque, du moins, avant 1914, donc 1912, 1913, 1911, en France, on parlait beaucoup du prince de Galles qui venait à Paris faire la fête, tout ça, il s'appelait Georges. Et d'ailleurs, moi, je me rappelle qu'un jour, on m'achetait un costume de marin anglais. Tu comprends? Non, je veux dire que l'influence a joué. Et le Georges vient de là. Alors ça fait une fâcherie à la grand-mère, là. Non, tu l'auras pas quand elle est... Quand c'est ouvert, elle arrive à rentrer. Remarqué par la critique internationale au tout premier festival de Cannes et distingué plus tard à Venise, Georges Rouquier a été reconnu en son temps par quelques-uns des cinéastes les plus illustres. Dès 1946, Jacques Prévert voyait un chef-d'œuvre dans Farbik que l'Américain Robert Flaherty avait vu pas moins de 5 fois avant de rencontrer Rouquier. Son œuvre, Le Vendange à Big Far, couvre en ces moments décisifs plus de 50 ans de vie rurale française. Elle constitue une référence essentielle dans l'aventure de l'anthropologie visuelle et dans l'histoire du monde paysan. En 1983, Georges achève le tournage de Big Far qui, 38 ans après, fait suite à Farbik. Nous l'accompagnons quelques jours au cours de ce nouveau voyage dans un monde rural qu'il affectionne. Et des années après, nous retournons dans les fermes qui ont donné leur nom au film et retrouvons les complices de ses travaux.